Oui, bonjour. Oui, voilà, vous avez souhaité qu'on vous contacte suite à une annonce. Donc, oui, bonjour. Donc voilà, vous nous avez soumis quelques critères et j'ai trouvé un appart qui pourrait peut-être vous plaire. Donc, vous êtes étudiante, étudiante, oui. Vous avez un petit budget, je comprends bien. Donc, vous inquiétez pas, on va regarder ça ensemble. Et, si on peut trouver un arrangement, y a aucun souci. D'accord. Donc, vous habitez chez vos parents pour le moment. D'accord, vous voulez quitter un petit peu le nid familial, je pense. Je comprends parfaitement. Donc, vous avez un petit copain, enfin, un animal, je sais pas. Non? D'accord, vous voulez seulement avoir un petit endroit où vous poser. Pour vos études, je comprends. Alors, j'ai trouvé un petit appart qui n'est pas excessif. Donc, vous avez une superficie de 46 mètres carrés pour une somme de 395 euros, charges comprises. Oui, c'est plutôt intéressant. Après, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc, dans ces 395 euros sont inclus les charges. Donc, imaginez taxes d'ordures ménagères, enfin voilà quoi. Non, l'électricité et l'eau ne sont pas inclus. Attendez, je vais regarder pour l'eau pour être vraiment sûr. Non, 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 il faudra l'inclure, ça sera en plus. Oui, je pense qu'on peut trouver mieux dans ce genre de prix. Alors, j'ai pour 397 euros. C'est plus petit. Mais je pense que pour une personne seule, je vous dis franchement, pour une personne seule, je pense honnêtement à partir de 30 mètres carrés, on est pas mal. Oui? Vous cherchez à peu près ouais, à peu près ça, entre 30 et 40 mètres carrés. Écoutez, on va regarder ça ensemble, il n'y a aucun souci. Donc là, j'ai un appartement de pièces, 34 mètres carrés, pour 2 euros de plus. Et les charges sont de 7 euros au lieu de 50 par rapport à l'autre. Non, pas. J'en ai vu un petit peu plus haut, c'est marqué 50, non, ça on va pas regarder. Mais par rapport à la première proposition qui était à 395 euros avec 20 euros de charges, là vous avez 397 euros avec 7 euros de charges. Donc deux pièces proches de la mairie, enfin proches de pas mal de commodités. Comprendre un séjour, une cuisine équipée, vous avez tout en fait. Il n'y a qu'à venir avec vos meubles, je veux dire, hein, tout ce qui est frigo, four, tout est déjà posé. Donc c'est plutôt intéressant, la peinture a été refaite. Et voilà quoi, c'est plutôt sympathique. Oui, je vous enverrai les annonces par mail, il n'y a aucun problème. Oui? Oui, je vous fais part de quelques suggestions. Et si cela vous intéresse, après je peux vous les envoyer par mail et on peut en discuter par mail ou par téléphone. Je pense que c'est mieux par téléphone. Tout cas, vous m'êtes fort agréable. Je vais essayer de me démener pour vous trouver quelque chose de sympathique. Et vous avez, sans indiscrétion, quel budget? Jusqu'à 500 euros? Oui, on peut trouver quelque chose de très sympa. Oui. Vous êtes titulaire? Non, j'imagine bien. Oui, si vous faites. Ah, vous êtes titulaire, d'accord. Vous faites des petites études à côté. Ben, vous êtes courageuse. Mais écoutez, on va voir ce qu'on peut trouver. Pour jusqu'à 500 euros, je vais essayer de me démener pour trouver quelque chose de très correct. Alors là, j'ai un appartement. Il est franchement, pour moi, c'est un coup de cœur. Donc, il est totalement blanc, gris et bordeaux. Je sais, le bordeaux, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais franchement, hein, ça rend super bien, vraiment. Donc, c'est un appartement de 38 mètres carrés. Donc déjà, il a 410 euros. Voilà. 38 mètres carrés, il est proche de pas mal de comment dire
commodité, on va dire. C'est en rez-de-chaussée. Par contre, ça, les gens, des fois, n'apprécient pas beaucoup. Ou ça ne vous dérange pas. Donc, à la limite, parce que en général, quand c'est en rez-de-chaussée, les gens ont peur peut-être de se faire cambrioler. Enfin, voilà, je vais pas vous mentir, quand le prix est bas, comme ça, avec une surface aussi grande, hein, qui est presque de 40 mètres carrés, les gens sont un petit peu réticents concernant les cambriolages. Donc, ce qu'on peut faire, si j'arrive à vous décoter un bel appart et que ceci. Voilà, ceci se trouve au rez-de-chaussée. Ce qu'on peut faire, on peut installer à nos frais, bien sûr, une alarme pour vous sécuriser, pour vous sentir vraiment en sécurité, quoi. Oui, un truc avec une caméra, avec une alarme sonore, enfin tout ce qu'il faut. Oui. Oui, c'est. Je préfère vous prévenir, quoi. C'est tout. Donc il y a le chauffage électrique, double vitrage, il y a la plaque, la hotte, il y a une petite kitchenette aussi, il y a une belle petite chambre, enfin voilà, il y a carrément une baignoire, ça c'est très recherché aussi. Non, il n'y a pas de balcon. Il n'y a pas de balcon encore. On va en construire un pour vous. Je plaisante. Non, il n'y a pas de balcon, je suis désolé. Ça ferait bizarre un balcon au rez-de-chaussée. Vous imaginez bien. Donc voilà, j'ai cette annonce. Elle vous intéresse? Écoutez. Voilà, je copie. Je mets sur mon bloc-notes. Voilà, et ça, je le garde de côté. Et je vous enverrai tout par mail et vous ferez les photos. Enfin, y a aucun problème, quoi. Mais honnêtement, pour moi, c'est un petit coup de cœur. Voilà. Après, c'est votre choix, hein. Vous inquiétez pas. Donc après, non, non, je pense pas que vous allez apprécier ça. Vous êtes jeune, je pense que ça fait un petit peu vieux. Vous aimez quoi comme style? Plutôt le sol. Un blanc immaculé, d'accord. Je comprends, moi c'est pareil. Après, meublé ou non meublé? Non meublé. Oui, je demande parce que des fois les étudiants aiment bien justement avoir le meublé, comme ça ils n'ont pas besoin de faire d'achat pour débuter dans leur petite vie. Je veux dire, ils ont déjà tout, ils ont qu'à se poser, amener leurs habits, enfin leurs fringues, on va parler comme ça. Et du coup, ils sont parés en fait pour attaquer dans leurs études, quoi, dans de bonnes conditions. Alors, là j'ai un appart. Bon, il est à 430 euros. 35 mètres carrés. Il est proche aussi de toutes les commodités, bus et tout. Vous avez une voiture? Pas encore. Parce qu'il y a aussi une place qui vous est réservée, une place de parking. Et ça, dans le futur, ça peut être intéressant. C'est quelque chose aussi à prendre en compte, sachant que. Oui, en centre-ville, il n'y a pas forcément beaucoup d'endroits pour se garer. Faut voir aussi dans l'avenir, je pense. Oui, voilà. Donc, il fait 35 mètres carrés. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a. Donc, c'est un blanc immaculé. Oui, ça a été refait il y a peu. La cuisine est spacieuse. Il y a un beau plan de travail. On pourrait faire de bons petits plats. La chambre est plutôt grande. Et. Oui, la salle de bain est plutôt propre, je veux dire, elle est plutôt bien construite. Oui, les toilettes sont séparées. Oui, je vous enverrai de toute façon l'annonce, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît pas. Je vous dis ça parce que vous m'avez l'air très sympathique. Il y a quelque chose qui me plaît pas, on n'en voit pas assez, et mes collègues qui doivent prendre les photos ont mal fait leur job. Mais pas assez en valeur, je trouve, la salle de bain, et ça. C'est un. Oui, vous êtes une femme, j'imagine que vous passez du temps en rendant la salle de bain, donc. Je ne veux pas passer pour un macho. Mais oui, c'est normal de se pomponner, surtout étant étudiante, vous voulez forcément être la plus jolie.
J'imagine. Et la salle de bain n'est pas mise en valeur, donc je demanderai de nouvelles photos, je vous en ferai part. Alors après, j'ai un appartement au premier étage, avec séjour avec cuisine, deux pièces, chambre avec placard, ça c'est pas mal. La salle de bain est vraiment belle. Chauffage électrique individuel. Fenêtre double vitrage. Volet roulant électrique, interphone, emplacement prévu pour branchement machine à laver, ça aussi c'est un truc à prendre en compte. Et c'est à 430 euros, c'est un 32 mètres carrés. Et je regarde franchement, le sol n'est pas blanc par contre, il est gris. Mais franchement, je le trouve, moi personnellement, encore je vous dis, parce que j'aime bien donner mon avis, je le trouve plutôt sympa. Je le trouve vraiment beau et. Ouais, c'est mon deuxième coup de cœur. Et j'irais peut-être même qu'il est encore plus sympathique que celui que je vous avais conseillé au début. Oui, vraiment, il est vraiment magnifique. Il n'y a pas de baignoire. Je tiens à le signaler quand même. Mais tout est vitré, je veux dire. Il n'y a pas besoin d'avoir. Comment ça s'appelle? Je suis désolé, je suis nouveau dans le métier, donc j'ai encore un petit peu de mal à m'exprimer. Mais voilà, je dirais, à part d'éclaboussures, j'ai pas foutu de l'eau partout. Désolé pour mon langage. Mais tout est vitré en fait. C'est plutôt sympa. Ouais. C'est très blanc, très lumineux. Enfin, c'est. Pour une personne, un ou deux même, ça suffit largement. Ouais. En plus, premier étage, tout a été refait, tout est nickel, il y a des armoires un petit peu partout. Enfin, voilà, c'est. À votre place, honnêtement, je vais pas vous mentir, je suis à la recherche aussi d'un appart. C'est pas évident. Je vais vous le piquer, je pense. Ou alors on habitera ensemble. Mais franchement, ouais. 430 euros, 32 mètres carrés, totalement refait. Je sais pas. Celui-là, ouais, c'est. Je vous le garde de côté. Je le mets. Voilà. Je vous montrerai. Un gros coup de cœur. Ouais, en plus, il y a tout. Branchement par machine à laver, comme je vous dis, volet roulant électrique, interphone, double vitrage, tout le tralala, quoi. Oui. Vachement intéressant. Après, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Là, nous avons quelque chose de sympathique. Je vois, donc le sol ne vous plaira pas. Donc on va zapper. Non. C'est un petit aspect granuleux et très vieillot. C'est dommage car les murs et tout ne. Je veux dire, globalement c'est joli, mais le sol je trouve ternit un petit peu la pièce. Alors que ça pourrait être tellement plus lumineux. Là, nous avons un bel appart situé à 33 mètres carrés, premier étage d'un petit immeuble sécurisé. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Une entrée, une cuisine indépendante, pardon. Un séjour, une chambre, une salle d'eau avec toilette, une cave. Très pratique, la cave. loyer, charges comprises, 440 euros. En fait, vous payez 390 euros de loyer mensuel et vous avez 50 euros de charges. Oui, dont l'eau qui est inclue et la taxe d'ordures ménagères. Vous voulez mon avis? Je vais être honnête avec vous. La salle de bain est très belle. Oui, le porte-serviette chauffant. Il n'y a pas de baignoire, une fois de plus. Mais il y a pas mal de compartiments, il y a un très beau miroir, il y a le chauffage dans toutes les pièces. Les volets sont électriques, si j'ai bien vu. Hein. En tout cas, ça a l'air. Oui, ça a l'air électrique. Et je ne vois pas la cuisine. Je vais regarder. Ça a l'air d'être. Oui, c'est un quartier plutôt calme. Ça, c'est plutôt cool. Oui.
Mais il n'y a pas la cuisine, ça c'est. Je te demanderai encore une fois des photos, si vous voulez. S'il n'est pas pris entre-temps. Mais bon, si c'est un petit coup de cœur, vous m'envoyez un petit message par mail et j'essaie de faire en sorte que vous passez la première pour les visites. Oui, je vais suivre votre dossier de très près. Pourquoi je fais tout ça? Parce que vous avez l'air d'être quelqu'un qui est. Ouais, déjà, vous avez une belle petite voix, je vais pas vous mentir. Et puis, je sais pas, je sens que le film passe bien, donc voilà, c'est sympa. C'est normal d'avoir des chouchous. Attendez. Là, j'ai trouvé. Avec une mezzanine, plutôt. Ah, c'est plutôt sympa ça. Donc, c'est meublé. Le sol est plan. Alors, P1, meuble en résidence. Dans résidence fermée avec parking, appartement meublé sur deux niveaux. Grande chambre en mezzanine. Ça, c'est plutôt cool. Le loyer de 446 euros, dont 45 euros de provision sur charge. Et je vais vous donner mon avis. Mon avis, mon avis. Non. Déjà, le bâtiment en lui-même est magnifique. Vu de l'extérieur, après on va regarder plutôt l'intérieur, je pense que c'est ce qu'on veut tous. Donc, le salon est très sympa. Oui, il est plutôt spacieux. Ouais, il est vraiment spacieux. Et là, on voit un escalier qui monte et qui emmène, c'est la mezzanine en fait, qui emmène une pièce qui est la chambre qui est vraiment fabuleuse. Elle est vraiment fabuleuse avec un beau parquet. C'est plutôt bien éclairé. Tout est meublé. Après, vous n'êtes pas obligé d'accepter forcément les meubles. Ça, après, il y a moyen de s'arranger avec l'agence ou la personne, le proprio. Oui, le proprio. Ça, on peut voir, mais c'est des meubles de bon goût. Oui, plutôt jeune, plutôt dans le coup, on va dire ça. Donc, ouais, c'est plutôt intéressant. En fait, vous amenez que vos vêtements, vos petits effets personnels, vous pouvez y habiter, quoi, il y a tout. Tout, tout. Donc, vous voulez mon avis? C'est pas le coup de cœur encore. Pour moi, ce n'est pas un coup de cœur, c'est sympathique. Voilà, c'est vraiment sympathique, mais voilà, l'annonce que vous avez dit un petit peu précédemment, que j'ai noté, moi je l'aurais pris. Ça, c'était vraiment un coup de cœur. Là, c'est sympa. C'est sympa et c'est un petit peu plus cher, donc moi je pense que l'annonce que je vous avais conseillée était moins chère. Je crois que c'était un petit peu plus grand en plus. Oui, c'était plus grand parce que là c'est juste à 29 mètres carrés. Donc c'était plus grand, c'était moins cher, c'était plus moderne, c'était mieux fini. Après, il y en a qui aiment beaucoup la mezzanine, donc ça c'est quelque chose à voir, c'est quelque chose qui ne regarde que vous. Mais rien n'empêche de faire une visite et. Ça ne rend pas du tout pareil entre la photo et la réalité. Parfois, c'est plus décevant, c'est vrai. Oui, je veux pas vous mentir. Mais parfois, c'est surprenant. Non, ça vous intéresse pas. Un peu petit, ouais. Oui, c'est vrai. Donc ça, non, on va laisser de côté. Ça vous intéresse avec une mezzanine ou pas? Sans plus, je comprends. Alors, j'ai sinon. Là, on approche des 500 euros par contre. Alors, j'ai quelque chose qui fait. Trente-huit mètres carrés, donc c'est plutôt sympa. Donc, duplex, donc c'est-à-dire qu'il y a un étage. 38 mètres carrés, comprenant séjour avec une cuisine équipée. Ça, c'est cool. Plaque électrique, réfrigérateur, hotte aspirante, chambre en mezzanine, salle d'eau avec toilette. Il y a un loyer de 470 euros, charges comprises. Oui, donc il y a 20 euros en fait de charges locatives.
Le loyer en fait est à 450 euros. Alors, je vais vous donner mon avis encore une fois. Donc, le salon, c'est plutôt salon cuisine. Honnêtement, j'aime pas du tout. J'aime pas parce qu'il y a sous la mezzanine un mur totalement blanc avec une bande qui doit faire au moins 80 cm qui part du sol jusqu'au mur jaune. Pour moi, c'est une vraie faute de goût. Et je trouve pas beau. Honnêtement, je trouve que non, c'est pas joli. C'est vraiment pas joli. Et c'est dommage car il y a une belle superficie, on pourrait y faire quelque chose de vraiment beau, mais la salle de bain aussi est un peu. Je sais pas. Ça part du jaune au gris, c'est étrange. Ça mélange de jaune, de gris et de noir. En fait, y a pas de cohérence. C'est dommage. Car franchement, bien emménager, ça. Ouais, quand même beaucoup. Peinture, à mon avis, on peut faire quelque chose de vraiment très beau, quoi. C'est vraiment triste. Et la cuisine est très petite, vraiment très petite. Vous aimez bien cuisiner? Non, je dis ça comme ça, parce que moi j'adore manger. Donc, ouais, elle est vraiment très petite. Et tout est mal, je sais pas. Je peux vous mentir, en fait, quand je regarde la photo, faut prendre en compte que voilà les personnes qui résidaient, le proprio, a pris des photos, mais tout était en place encore. Je veux dire, on voit le canapé, on voit la poubelle, on voit les tables, on voit tout. Mais imaginez vide, je sais pas, pour le prix, je pense que si vous voulez vraiment faire confiance, moi, j'ai gardé deux annonces. Elles sont vraiment top. Elles sont moins chères. C'est plutôt grand. C'est bien agencé. Et on peut facilement s'arranger, quoi. Donc, il y avait celle qui était au rez-de-chaussée, comme je vous dis. Ça vous gêne pas, mais. Parce que vous avez l'air vraiment sympathique. Si vous veniez. Je me précipite pas, mais si vous veniez par exemple à la prendre, sachez que. On va installer une sécurité. Oui, car j'aime pas savoir en fait que voilà, nous on aime bien faire les choses, on va dire, et la sécurité avant tout. Voilà, je veux pas vous faire peur, hein, mais je préfère vous le dire. Voilà, vous n'allez pas investir, voilà, vous allez vous y sentir en sécurité. Voilà, moi c'est ce qui m'importe. Je suis là, c'est vrai, pour. Voilà, pour vous faire avoir un appart qui vous plaît, mais je suis là aussi, vu que vous passez par notre agence, pour vous apporter satisfaction et vous trouver un certain confort déjà dans ce futur appartement, mais aussi au niveau sécurité, quoi. Faut s'y sentir bien, quoi. On essaie en même temps de vous fidéliser. Oui, je vous dis la vérité. Je pense que l'honnêteté, ça paye. Oui, j'ai toujours été honnête avec mes clients. Donc voilà, vous pouvez avoir quelque chose de sympathique au rez-de-chaussée et quelque chose pour moi de très très sympathique. Et ça, c'était la deuxième annonce. Et moi, c'est mon coup de cœur. Je vais revoir ça. Attendez. Je vais revoir ça avec vous. On va revoir l'annonce en question. Ouais, oh oui. Oui, ça n'a rien à voir. Déjà, premier étage, donc c'est un petit peu plus sécurisé. C'est très bien fait et c'est de très bon goût. Vraiment de très bon goût. La salle de bain est magnifique. Ouais, pour moi, c'est un coup de cœur. Comme je vous ai dit, le sol n'est pas blanc. En fait, le sol est en carrelage un petit peu gris. Gris et on dirait que les jointures sont un petit peu blanches, c'est marrant. Et sur les murs, elle est à 20 cm du mur, on va dire du sol jusqu'au mur, quoi. Il y a une petite bande grise qui donne un charme fou, je trouve. Ça donne vraiment un côté net, côté. Je sais pas, ça.
C'est à la fois chaleureux et sain. Ce n'est pas des couleurs chaudes, c'est une couleur plutôt froide, mais je sais pas. J'aurais pas l'expliquer, je pense qu'il vaudrait mieux que vous veniez. Vous voulez vraiment absolument voir? Écoutez, on va voir les deux apparts en question. Les deux coups de cœur, enfin les apparts que je vous conseille par rapport à votre budget et à la superficie que vous recherchez. Donc, vous êtes disponible quand? D'accord, donc il me faudrait votre nom et votre prénom. Vous l'avez dit à une de mes collègues, je pense, et moi je la remplace étant donné qu'elle est partie en congé. Oui, il fait plutôt froid, elle est partie au sport d'hiver, j'ai pas trop compris son délire, elle se plaint du froid, mais elle part dans les montagnes. On dira rien. Ok, pourquoi je dis ça? Parce que ça nous est arrivé en fait qu'il y ait des gens viennent un petit peu à l'improviste pendant une visite. Je sais, ça peut paraître étrange et des fois ils viennent avant certaines personnes et ça fout un. Hein. Ouais, c'est particulier. Donc je veux vraiment que vous soyez la première à le visiter. Oui, je remplis quelques formalités. Donc vous êtes libre. Demain, vous êtes libre? Oui? À quelle heure? D'accord, vous avez travaillé le matin. Ah, l'après-midi, vous avez des petits cours. Ok. Disons, vous finissez à quelle heure? Oui, bah c'est bon. Disons, à 5h30, ça vous irait? Oui? Oui, l'après-midi, bien sûr. Je dors, moi, 5h30. D'accord. Mais écoutez, on fait ça. Alors, à 17h30, petit rendez-vous. Donc, vous n'avez pas la voiture? Non. Oui, c'est ce qui me semblait, ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire. Oui, vous ne savez pas où c'est. Alors, ce n'est pas trop loin, en fait. De vos cours, ça a quoi? 15 minutes peut-être? Vous pouvez prendre le bus ou. Oui? Bon, je viendrai bien vous chercher, mais bon, ça va faire un petit peu bizarre, je pense. Écoutez, vous avez un petit café normalement en bas. Je regarde un petit peu sur la carte, parce qu'en fait, je suis aussi nouveau dans la ville donc. Pas être facile pour moi non plus. Disons, on se donne rendez-vous à la mairie, on marchera 5-10 minutes pour arriver jusqu'à là-bas, comme ça, voilà, moi je sais où c'est, vous, ça vous fait pas loin, et on voit ça en détail. Oui? D'accord, très bien. Je vous amènerai un petit café. Oui, un petit café en bas, je viendrai avec le café. On en parlera, on verra ça en détail. Et pour le prochain appart, le deuxième, que je vous avais conseillé, on ira. Attendez, je regarde par rapport à mon planning. Mercredi, vous êtes disponible? Non, d'accord. Jeudi? D'accord, jeudi, c'est bon? À la même heure? Oui, on en parlera mieux demain déjà. Ok. Donc, j'ai dit visite à 17h30. Ouais, mais je pense vraiment que vous allez craquer pour la visite de demain. Honnêtement, je pense. Voilà. Ok, ça c'est bon. Donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Merci de m'avoir contacté. Je vous dis à demain alors. Merci, c'est très gentil. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain. J'espère sincèrement que ça vous plaira. Ah, merci. Passez une très très bonne journée. À demain. Oui, à demain.